Salut à toi, jeune spectateur, en enfance, peu importe comment je le dis. Bon, on est le 28 mars. En fait, je suis un peu comme ça parce que je me suis installé sur le site, je me suis dit, oh, mais tiens, je vais introduire le vlog. Et après, je me suis dit, ouais, mais attends, je suis pas prêt psychologiquement à introduire le vlog. On est le 28 mars, c'est 8h41 du matin et je suis présentement sur le saint ordinateur. N'est-ce pas? Je me suis rendu compte hier que du coup j'avais rendu le vlog mais que je ne l'avais pas envoyé sur YouTube. Donc là je vais envoyer le vlog de demain sur YouTube. Vous voyez, après je suis resté pour le live de Laurent en bas. Et du coup bah j'ai même pas tilté. Donc le vlog d'hier n'est même pas envoyé pour. Enfin le vlog de demain n'est même pas encore envoyé sur YouTube. C'est un véritable scandale, n'est-ce pas? Donc du coup je vais le programmer maintenant. Hier soir, du coup, bah, j'ai clôturé le vlog, Laura a fait son live, je suis resté avec elle pendant le live. Ensuite, on est allé au lit, on a regardé Lost et on s'est endormi. N'est-ce pas? Tac, 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 éjecté aux annonceurs, oui, faire la miniature, tout ça, tout ça. Et ensuite, on s'est endormi pas trop tard, je crois, vers minuit, quelque chose comme ça. Et ce matin, c'est Laura qui s'est levée. Parce que ce matin, elle doit aller à Saint-Dié pour faire ses ongles. Elle me dit, ah, mais de toute façon, je me lève pour aller à Saint-Dié, reste au lit, machin. Bon, je ne suis pas resté au lit très longtemps, je suis resté jusqu'à, comme d'hab, jusqu'à 8h15. Là, je me suis levé, je me suis habillé, tout ça, la routine, machin et tout. Et puis là-bas, je me suis déjà installé sur le PC parce que je vais bosser, j'ai du travail à faire. Ouais, là j'ai du boulot parce que hier elle a fait son live, Laura. Sauf que pendant son live, elle a parlé de trois sujets différents. Three different subjects. Et du coup, bah, je vais devoir décomposer le replay de son live en trois vidéos différentes. Donc j'ai filmé avec la nouvelle carte mémoire d'ailleurs. La petite 128 Go. Alors, bon, écoutez, elle a fonctionné. J'avais 2h45 d'autonomie sur la carte. Donc c'était plutôt honorable. C'est ce que j'avais calculé, donc c'est plutôt pas mal. Donc là maintenant je vais essayer de récupérer le fichier, voir si c'est pas trop lent à récupérer. Ah, puis il me l'a fait en un seul fichier, tu vois, 62 Go le fichier. J'aurais pas pu avec l'autre carte mémoire faire un nécessaire, tu vois. Alors, Laura, Charlotte, voilà. Voilà, je suis en train de charger, donc ouais, je dois faire. Alors, attendez que je me le note. Montez Charlotte. TikTok short Charlotte montée 1 et ensuite montée doigt TikTok short doigt. Ah, là il y a du boulot, je vais pas te mentir. Je vais marquer programmé tournage tireur. Voilà, là je me suis noté plein de trucs là pour être sûr de savoir où ça en est, tu vois. Donc là, chargé fichier, le vlog est en train d'envoyer, c'est bon, il reste encore un petit peu de temps. Ouais, donc aujourd'hui pas mal de boulot de montage et tout ça. Il pleut dehors, c'est le temps de merde comme d'habitude, c'est la chiotte, ça fait chier. Ouais, même on est les enfants ce matin à l'école en voiture, je dis bah t'as pris la voiture, on me dit ah ouais, il fait trop dégueulasse, je suis d'accord, il fait vraiment dégueulasse, il fait vraiment attendre quelqu'un. Donc là Laura va partir après pour aller faire ses ongles, enfin sauf un, coucher sa copine. Après en revenant elle passe à l'épicerie parce que ma mère nous a demandé si on pouvait aller voir s'il y avait la souris d'agneau et tout ça à l'épicerie. Après elle rentre à la maison, on mange à midi. Cet après-midi elle a un live où elle fait les... Des matins là ça saoule ça. Je veux juste fumer par la télé clop. Elle a fait myrtille, les muffins à myrtille à faire. Attends, j'ai plus de table. Donc il me finit à myrtille à faire, donc voilà. Et puis après récupérer les enfants ce soir, bah, la routine quoi, habituelle hein, de toute façon. Moi j'ai un live ce soir aussi, je crois. Il me semble bien. Oui, il me semble.
Et normalement, l'enquête est demain soir. Geoffrey m'a écrit hier, il m'a dit qu'il avait la voiture, c'est bon. Vraiment, quelqu'un de sa famille lui a prêté une bagnole. Et du coup, bah, on pourra faire l'enquête vendredi soir. Donc, normalement, donc, faut que je recharge les batteries aussi, que je prépare tout. Là, j'ai même plus de batterie dans celle-là non plus. Qu'est-ce que je fais pas. Le matin, là, les batteries me font chier. Bref. Il y a du boulot en tout cas. Pour ça que je charge les fichiers. 23 minutes. Oh, ça va, le transfert, c'est la même vitesse de transfert qu'avec la carte SD. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence. Donc c'est déjà ça. Et aujourd'hui, c'est le 1400e vlog. Et putain, les gars, 1400 vlogs, tu te rends compte? C'est oufissime. Oh là 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 là. Allez, let's go. On y va. Bon, c'est bon, je suis un peu plus réveillé. J'ai mis mon pull. Voilà. Ouais, si, je suis plus mal réveillé là, ça va. J'ai bien dormi cette nuit et tout. Du coup, je termine encore de charger. Ah, ça y est, les fichiers du replay d'hier ont été chargés. 64Go là. 62Go, hop. Et maintenant, c'est parti pour le montage de cette facecam. De ces facecam là, il y en a au moins 3 à sortir de ce replay de live là. Donc, je vais commencer tout ça. Laura m'a envoyé la recette, donc ça c'est bon. Je vais pouvoir la mettre déjà, hop. Donc, je vais monter en premier lieu la recette. Et ensuite, je continuerai sur les deux autres sujets de vidéo. C'est juste qu'il y a beaucoup de décompositions à faire parce qu'il y a le début, c'est la recette, ensuite ça passe sur un autre sujet, après ça passe sur un autre sujet, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, ça fait pas mal d'aller-retour à faire. Mais bon, ça va, hein, on va s'en sortir, hein. Ah oui, hein. Allez, et puis après il y a les shorts, les TikTok aussi à faire et tout ça. Mais ça va, alors, le citron. Le titre il est mis, maintenant faut mettre les ingrédients. Laura m'a envoyé la recette. Et puis let's go pour le montage. Il est 9h10. Allons-y quoi. Bon les amis, il est 9h24. Laura est en train de terminer de se préparer. Moi je suis en train de rendre, j'ai déjà fait la recette. Le replay recette est en train de rendre là, après j'ai un TikTok, un short à faire, après j'ai le reste et tout, ouais, j'ai pas mal de trucs à monter. J'essaie de pas trop me perdre dans ce que je dois monter et tout. Là, elle est en train de se préparer, il faut qu'elle aille du coup faire ses ongles, ensuite qu'elle aille à la banque parce qu'elle a des chèques à déposer pour la VDI. Et ensuite il faut qu'elle aille à l'épicerie turque là, pour ma mère, pour voir s'ils ont de la souris d'agneau. Au pire la commander. Ensuite... un rant, on mange, elle a son live, ensuite on a réunion parent prof pour Libye à partir de 15h30. Et après, bah du coup, le routine du soir et tout ça. Oh. Ouais, ça fait une bonne journée. Ouais, ouais réunion parent prof. Ah, là, là, là. Et dehors, oh putain, j'ai regardé la météo, ils annoncent la flotte jusqu'au 10. Pendant 10 jours, là, même plus de 10 jours, 15 jours, on a que de la pluie. Ah, franchement, c'est déprimant. Là, j'ai encore vu les publications que mon père a partagées d'il y a 2 ans ou 1 an. Il y avait un grand soleil, quoi. Là, on a que de la flotte. Bon, on monte quand même dans les 17-18 degrés, hein. Mais de la flotte. Genre, samedi, il fait 19 avec la pluie. Voilà. Donc, à moins que ça change. Oh, allez, allez. Je te jure, c'est désespérant. C'est désespérant, mon ami. Ah oui, hein. Bon allez, je continue de bosser là, ça devrait pas être fini. Ça devrait pas tarder à être fini le rendu là. Ouais, il reste 10 minutes. Ouais, c'est en 4K, donc forcément ça prend du temps. Hop. Bon, allez, continue le travail. Et oui, il y a du montage, monsieur. Bon les amis, le rendu vient de se terminer, Laura vient de partir, mais j'ai Gaston qui m'a appelé. Enfin, j'étais en train de dire au revoir à Laura, mon téléphone était en rouge, j'ai vu qu'il m'a appelé, j'ai pas pu répondre, je suis remonté, j'ai essayé de le rappeler, je tombe sur le répondeur, Laura est partie. En allant à la voiture, il lui a dit qu'il avait essayé de m'appeler. Après, elle s'est arrêtée devant la maison, je regardais par la fenêtre de notre chambre, et j'entendais son téléphone dans la voiture qui m'appelait, elle me dit oui, il a essayé de t'appeler, j'ai dit je sais, mais le téléphone était en haut. Du coup, je viens d'essayer, je suis tombé sur le répondeur, elle me dit il a besoin de toi, 2 minutes, j'ai dit ok, oui, j'y vais. Donc là, je vais vite faire voir Gaston, voir ce qu'il a besoin comme aide. Et puis après, bah, je reprendrai le boulot parce que du coup, le rendu est terminé pour cette facecam là. Donc voilà. Mais je crois que je vais toutes les rendre. Et après, je verrai quand je les planifie. Ah, oh, je sais pas trop. Bon, les amis, c'est bon, je suis rentré de chez Gaston. En fait, il a dû. Oh, le bordel.
En gros, il n'a pas fait de réagréage et il y a une différence de niveau dans cet appartement-là. Du coup, il avait mis de l'isolant et tout ça. Et le truc, c'est qu'en fixant le plancher, l'isolant, en fait, il suffisait pas. Donc, il y avait un petit, tu vois, une petite cuvette comme ça. Et le parquet, il tient pas avec la cuvette. Ça s'affaisse et tout ça. Donc, il a dû redémonter tout le parquet de nouveau pour tout refixer. Ça fait 4 fois qu'il le fait. Hein. Et là, normalement, c'est bon. Il a réussi... En fait, il y a le père d'un copain de Malone qui travaille dans le BTP, du coup, il est venu lui filer un coup de main et tout. Et il lui a expliqué et tout, enfin, il lui a donné une astuce et tout. Donc là, non, c'est bon, donc il avait besoin de moi pour refixer des lattes de parquet et tout. Là, il doit refaire encore tout le salon, il a encore beaucoup à faire, mais bon. C'est un peu compliqué pour lui, mais voilà, il s'en sort. Et là, j'y retournerai peut-être tout à l'heure, quand il aura continué de fixer des lattes, parce qu'il y a encore des lattes à fixer et tout ça, donc on verra. Bref, Laura, elle est partie depuis tout à l'heure, moi, je vais remonter sur le PC et je vais continuer de bosser. T'as eu un éclairci de soleil tout à l'heure, j'ai même dit à Gaston, j'ai dit oh putain de temps de merde, il dit oh il y a du soleil, il est parti le soleil, il a dit écoute, salut mon gars, on est mort, je me casse de cette région de merde, et il a bien raison. Non elle est bien la région, mais c'est vrai que le ton là il est... Bref j'ai rendu du coup la première vidéo, donc qui est le moelleux au citron, je l'ai envoyé sur YouTube, je l'ai pas encore programmé. Il y a un petit grain sur l'image par contre, je remarque, il y a un léger grain, donc peut-être qu'il faut que je règle l'ISO. Je vais regarder une fois rendu, mais il y a un petit grain, un grain, à mon avis c'est la correction ISO. Ouais, peut-être que je règle un peu ça au niveau de la caméra pour que ça soit vraiment parfait. Je suis en train d'ouvrir le fichier là, ça met du temps. Et du coup je suis en train de rendre la vidéo Borealia, enfin l'annonce. Non, il n'y a pas de grain. Non, en fait, il n'y a pas de grain. Ou alors, un très léger grain. En fait, si vous voulez, quand il manque, ça manque, quand il y a un manque de luminosité, il peut arriver que du coup, il y a un petit grain sur l'image. Ouais, il y a un léger grain, peut-être une mini correction au niveau de la caméra, à la limite, je regarderai ça. Du coup, là, je suis en train de rendre, mais le problème, c'est que le rendu en 4K, c'est long. Genre, par exemple, là, la vidéo fait 46 minutes, si je rends en 1080, donc en HD, pour 46 minutes, je mets 25 minutes de rendu. Là, pour de la 4K, pour 46 minutes, je mets 49 minutes de rendu. Mais c'est du 4K, c'est normal. Sauf que pendant que je fais le rendu en 4K, je peux rien faire d'autre, je suis bloqué. Je peux pas faire un autre montage, je peux pas faire des trucs, machin et tout, donc je suis bloqué. Donc c'est un petit peu chiant. Donc là, je suis obligé d'attendre à chaque fois, c'est long, mais bon, pas le choix. Donc j'attends. Et après il me restera encore une petite vidéo à faire, un rendu, et après j'attaque les shorts et les TikTok, les programmations, les décalages de facecam, machin, etc. Enfin voilà, encore pas mal de taf à faire, mais ça avance tout de même un petit peu. Pas le choix, de toute façon il faut bien que ça avance, hein, mon gars. Par contre pour la réunion par en prof, ça part sur 15h30, mais c'est à quelle heure exactement? Parce qu'ils ont dit qu'ils nous donneraient l'heure, mais moi j'ai rien dans Pronote. J'allais dire mon bureau numérique, mais oui, je me connecte via le bureau numérique, mais sur Pronote, j'ai rien. Donc je sais pas d'où ça vient. Rencontre parents prof aujourd'hui. Agenda. Oui, c'est de 15h30 à 19h, mais c'est à quelle heure exactement? Planning. À 18h21. Oh là, d'accord, ok. C'est à 18h21 la rencontre. Ça vient de l'afficher 18h21. Ouais, apparemment, c'est ça. 18h21. Parce qu'ils disent que ça sera mis dans le machin. Et là, quand je vais dans rencontre parents prof, Diserata et disponibilité. Et là, je vois 7 minutes. Il y a 7 minutes, ça a été affiché, je crois, c'est ça. Et 18h21. Ouais, bordel. Ouais. Bah, apparemment, c'est à 18h21. C'est plus à 15h30. On se posait la question, mais non, apparemment, c'est 18h21. Bon, ok, ça marche. Ça marche. Laura part faire ses ongles. Elle prévoit ensuite d'aller à la banque déposer, du coup, ses chèques. Elle prévoit ensuite d'aller chez le Turc. Ensuite, d'aller à Inter pour les œufs de Pâques. Et là, elle me dit quoi? Je paye sans contact, j'espère que ça va pas bloquer, parce qu'au bout de plusieurs paiements sans contact, c'est que ça bloque. Parce que j'ai pas pris ma carte. Elle a pas pris son...
vous souvenez, la semaine dernière, cette semaine, je sais plus quand, elle ne retrouvait plus son calepin, parce qu'en fait, dans son calepin de banque, elle a carte vitale, permis de conduire, carte d'identité, carte bancaire et la carte du conjoint. C'est elle qui a la carte du conjoint, moi j'en ai pas besoin, je paye de toute façon avec ma carte et tout. Je lui ai dit, range ta carte. Ça fait 3 jours que son calepin traîne à la cuisine. Ça fait 3 jours que son calepin il traîne à la cuisine avec ses cartes bancaires. Et là, elle me dit quoi ? Mais je dois payer sans contact avec le téléphone. J'espère que faut que je calcule que ça dépasse pas 50 balles. J'espère que ça va pas bloquer. Parce que j'ai pas pris ma carte. J'ai envoyé un smiley, les yeux en l'air comme ça. Où je dis, entre parenthèses, j'ai pas pris ma carte. Mais quand tu sais que tu vas en ville, quand tu sais que tu vas en ville, que tu dois aller au magasin, mais t'oublies pas ta carte bancaire. Et je suis sûr que sa carte, elle traîne en plus. Ben voilà! Dans le tiroir à bordel, voilà notre tiroir à bordel, hein. D'ailleurs, elle va en faire une vidéo, elle va ranger. Voilà. Sa carte bancaire. Pourquoi? Enfin, je veux dire, moi j'ai un porte-monnaie depuis 4 ans. Ce porte-monnaie est toujours dans la poche de ma veste. Peu importe la veste que je prends, je switch d'une veste à l'autre pour être sûr de toujours avoir ma CB, ma carte vitale, j'ai tout dedans. Voilà, j'ai toutes mes cartes, mon permis de conduire, mes permis de conduire, parce que j'ai 2 permis de conduire du coup. Je sais pas ce que je dois faire de l'autre, mais j'ai 2 permis de conduire du coup. Ils sont en train de dire, oh, il a fraudé. Non, c'est juste que quand j'ai reçu le permis de conduire avec la mention moto, bah l'autre je l'ai gardé, je sais même pas si je l'ai gardé. Si, normalement il est là. Là j'ai mon permis de conduire avec la moto, voilà, avec la mention motocyclette. C'est mon permis moto, mais j'ai aussi, normalement, j'ai ma carte d'identité là, et normalement j'ai mon autre permis de conduire aussi, je crois, que j'ai gardé. Bon, il y a le truc de la banque pour les virements, voilà. Là j'ai mon autre permis de conduire, donc j'ai 2 permis de conduire. Oh putain de merde, je te jure. Je sais pas comment faire de l'autre permis, si vous savez, vous travaillez en préf ou autre. Il faut le détruire peut-être, je sais pas, mais j'ose pas le détruire. J'ai l'impression que c'est jamais. Enfin bref, elle est partie sans sa carte bancaire, enfin sans son... Allez, du coup, elle est partie sans son permis, sans sa carte d'identité, sans la carte bancaire, sans la carte vitale, rien. Elle est partie avec rien. Et moi, ce porte-monnaie est toujours dans ma veste, systématiquement, avec la poche fermée pour être sûr que ça tombe pas. Voilà. Et quand je prends la veste d'hiver pour la moto, qui est là, avec la plaque, et ben je le switch dedans. Toujours. Putain, sérieux. Elle m'énerve, elle me saoule. J'y mets, putain, tu me saoules, quoi. C'est pas possible, quoi. Comment tu peux prévoir d'aller à Saint-Dié et pas prendre ta carte? Mais en même temps, ça fait 3 jours que je lui dis... Tu vas lui dire... Ça fait 3 jours que je te dis de ranger dans ton manteau tes papiers. Voilà. Et elle m'envoie ce mail qui rigole. Je dis, parti sans carte, quoi. Et elle rigole. Ça fait 3 jours que je lui dis de ranger ses papiers parce que je lui dis, tu vas les paumer ou tu vas partir sans. Et tu dis, non, c'est pas ma carte. Seigneur, elle me rend zinzin. Ouais, je suis en train de rendre la dernière vidéo et après je dois taper les shorts, les TikTok, les machins, etc, etc. Voilà. Allez, on continue. Bon, j'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. J'ai monté, du coup, les 3 vidéos en 4K. Je les ai rendues, je les ai envoyées, programmées sur YouTube. J'ai monté 4 shorts programmés sur YouTube, envoyés. J'ai monté 3 TikTok programmés sur YouTube, envoyés sur le Drive. Et j'ai fait aussi le planning des publications, du coup, bah ça fait depuis presque un peu moins avant 2 heures que je suis dessus. Donc là, j'ai plutôt bien avancé en une matinée, mais tu vois, un replay de live, ça m'a pris là 4 heures de montage, 9, 10, 11, 12, non, 3 heures de montage pour un replay. Enfin, un replay décomposé en 3 vidéos. Des fois, c'est un peu moins long que ça, mais là, en tout cas, en l'occurrence, c'était long. Mais c'est bon, c'est fait. Ouh, c'était chiant. Mais c'est fait. Oh, le casque de gaming de Libby qui est sur la table. Bah pourquoi il est là? On leur dit pas de ranger leurs affaires à chaque fois. Non, ça va bien avancer. Laura va pas tarder à rentrer. Normalement, elle a ce qu'il faut. Elle a la souris d'agneau pour mes parents, donc ça c'est bon.
Là, je vais remplir la vaisselle, le lancer. Et je vais aussi faire chauffer pour midi. Il nous reste du petit pois et riz et tout ça d'hier. Oh oui, il y en reste suffisamment, oui, en effet. Donc, je vais faire ça, hop, comme ça c'est fait. Et puis comme ça, quand on le rentre, on va pouvoir manger. On va grailler. Et après, là, son live à 13h30, dans 1h30. Il y a encore un petit peu de temps, ça va. Et puis voilà, ça sera bueno. Ah ouais, putain, je peux pas tout mettre dans le vaisselle. Je vais quand même laver pas mal de trucs à la main, je crois. Parce que là, je vais pas pouvoir tout mettre. Ah non, en effet, monsieur, tout ne rentrera pas. Allez, je le lance en programme rapide, comme ça, il sera prêt pour le live tout à l'heure. Et puis voilà, ce sera bien. Allez, hop, attendez, je vous pose la caméra parce que je la tiens à bout de bras là pendant que je remplis de la vaisselle. Hop, ça je vais pas avoir la place pour le lancer. Ça oui. Ça non. Le reste je vais laver à la main. Ouais, je vais laver ça à la main, comme ça au moins c'est fait. La planche est coupée, je peux la ranger. Voilà. Et puis après c'est bon. Ouais, ça va. Allez, c'est de la vaisselle. Avec nos capsules de la vaisselle qu'on a du stock pendant 10 mois. Ah mais il y avait la pastille dedans. Bah, il n'a pas été lancé. Voilà. Ah oui, je me souviens. Chloé hier elle a dit à Laura, elle lui a dit ah j'ai mis la pastille dans la vaisselle, il n'y aura plus qu'à lancer. Et en fait, bah, on a zappé. Bon bah voilà, c'est bon. Ils aiment bien mettre les pastilles dans la vaisselle, qu'est-ce que tu te lises. Qu'est-ce que tu veux que tu lises. Bon, je laisse ça parce que je vais avoir besoin pour faire notre après-midi. Ah, j'ai plus de roux pour béchamel. Je me serais bien fait un peu de béchamel là midi. Enfin, c'est pas la recette de la béchamel. Je sais, mais nous on appelle ça de la béchamel chez moi. Oh. Mais je crois que j'ai plus de roux pour béchamel. C'est un truc pour épaissir. Mais à mon avis. La charge. Oh, j'aurais dû demander à Laura d'en prendre, comme ça je me serais fait une petite béchamel là. Mais ta gueule toi! Putain, Spig, il passe son temps à parler, à ouvrir sa gueule, mais ferme-la! T'as les chiants! Oh bordel, j'ai descendu la carte mémoire et la batterie pour le live de tout à l'heure, allez Myrti. Ouais, je vais faire la vaisselle, allez let's go. Bon bah voilà, c'est en regardant Desplate que je suis rendu à faire de la vraie béchamel, putain. En fait, Laura m'a écrit, elle m'a dit c'est bon, j'ai fini les courses. Et je me suis dit putain, elle est encore aux courses, je vais lui demander de me prendre du roux pour béchamel. Voilà. Et en fait, bah, elle était déjà partie. Elle m'a dit ah bah merde, je suis déjà dans la voiture et tout, machin. Je dis bon bah tant pis. Elle dit mais sinon je t'en fais maison et tout. Je dis non, bah je suis en train de la faire là. Donc je fais de la béchamel pas maison, enfin je fais de la béchamel vraie béchamel au lieu de la béchamel pas vraie béchamel. Parce qu'en fait on a du riz, j'adore manger le riz avec la béchamel, donc tant pis. Donc là hop, je vais, écoute, on verra le goût hein. La seule différence en fait c'est que bah le roux, le mélange beurre farine, bah moi je mets du roux, c'est tout, c'est la seule différence entre les deux. Là, je mets des cubes dedans. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu te lises hein. Obligé de faire la vraie béchamel, ma foi. On verra bien. Hein. Allez, vous la cuillère magique. Oh, merde. C'est de la vaisselle, non. Ah oui, elle est là. Celle que j'ai lancée juste avant, tu sais. Hop. Bon, bah voilà, je fais ma béchamel maison. Tant pis. Bon, ça ira. Je vais préparer nos assiettes, comme ça on peut manger des carottes. Soit pas par trop de temps, parce qu'elle est partie depuis 9h30, elle est déjà midi et demi, elle a son live après, j'ai pas envie qu'elle court dans tous les sens. Voilà, je peux pas regarder les assiettes. Putain, il en restait beaucoup hier. On a fait pas mal en fait. Voilà. Nickel. Allez, faisons cette béchamel pas maison. Let's go. Ah, puis on a trouvé la cerise d'agneau. Du coup, j'ai dit à ma mère, je te la mets sous vide et au congèle ou pas. Elle m'a dit, bah non, mets-la sous bicelle. Ah, je lui dis, si je la mets au bicelle, j'ai la viande, elle va être sacrément nettoyée. Hein. C'est le bisave, pas le bicelle. Elle m'a fumé. Voilà. Hop. On va la mettre sous bicelle. Bah, si j'ai encore des pots pour le bicelle.
Ouais. D'ailleurs. Bon, c'est bon, Laura est rentrée. Elle m'a repris du coca, j'en avais plus. Elle m'a repris des boxers aussi, parce qu'elle est trouée, hein. Je fais de la béchamel, mais de la vraie béchamel. Tu te rends compte quand même, l'hérésie. Hein? Moi, j'ai quasiment fini, là. Ça va vite, hein. De quoi? Bah, j'ai mis les chocolats, mes parents, t'inquiète pas. Oui, je sais, mais ceux-là, je sais. Donc, voilà, Laura, elle est rentrée. Elle a dit, putain, les chocolats, comme ça coûte cher. Bah ouais, c'est abusé. Tout augmenté et encore plus les chocolats. Elle me disait, Gaston, il a fait des étagères avec du bois. Il a dit, putain, 40 balles pour faire 3 étagères. Ouais. Ouais. Oh, de la vraie béchamel. J'ai pris les petits sacs pour Pâques parce qu'à mon avis, la chasse aux œufs dans la plus sur la. Ils annoncent de la flotte de ouf, hein, lundi. Mais tu sais que ma mère, elle a dit au gosse, c'est bon, je vous les plante pas cette fois-ci. Oh bah si, machin. Elle dit, ouais, enfin ça dépend de la météo. Hein. Bah moi, j'ai pris les sacs parce que je me suis dit. Et je suis sûr que samedi, ils vont repartir avec les gosses. Ah bah non, lundi, non, la repas de Pâques. Oui. Ah bah oui. Ils vont dire, oh, mais lundi c'est férié. Oui, de toute façon, mardi est l'école. Ça va être mauvaise, la béchamel. Et Laura m'a pris du bœuf. Séché. Oh, ça sent bon. Oh, il est bon. Chavar barbecue, je sais pas quoi. Mais... J'ai pris parce que je me souviens que tu m'avais vu. Non, je crois qu'on doit sécher. Côté mec, c'était pas calorique. Non. 100% bœuf, protéines. 50 kilocalories pour paquet. Même pas. Si. Ma mère, je lui ai dit pour la souris d'agneau, elle m'a dit, je la congèle sous vide. Et non, sinon, tu la mets sous bicelle. Je dis, si je la mets sous bicelle, elle va être un peu nettoyée quand même. Hein. Il y a 3 heures, j'ai fini de monter 3 vidéos, les shorts, les TikTok, les machins, les tout, les machins. C'est fini. Vraiment trop bon, ce frère. Et bon, avoir du chocolat entre tes parents, mes parents, nous. Oh là là. Il va en encore avoir pour un an, comme d'hab. Bah ouais. Aïe aïe. Alors, ton oncle, tu lui as montré ou. Elle a dit goût de ne pas voir. Ah, tu m'étonnes. Elle m'a dit de toute façon là, c'est clairement pas. Bah non. Je peux toucher, hein. Bah j'ai dit non, de toute façon, j'ai dit même si tu m'avais dit que je le fais, je t'aurais dit non. Il est bon, hein. Bon les amis, nous avons mangé du coup le riz petit pot machin avec la béchamel. Bah écoutez, ça va. C'était pas aussi bon que ma béchamel à moi, ma béchamel, mais ça va, ça passait quand même. C'était pas mauvais. Donc on a mangé ça avec le riz machin et tout. Là, on va préparer les ingrédients pour la recette de Laura qu'elle va faire cet après-midi. Bon du coup, c'est un peu moins la course parce qu'on s'était dit merde, on aurait dû mettre les enfants à la garderie vu qu'il y a la réunion parents prof, mais en fait non. Donc c'est bon, on est tranquille. Vu que c'est à 18h21. On s'organisera avec sa mère tout à l'heure et tout. Donc ça sera fait. Hop là. Et puis voilà. Faudra que je mette la souris d'agneau sous bisave aussi. Allez, on va préparer les ingrédients. Laura va faire son live. Moi je vais le suivre en haut parce que j'ai encore du boulot. Et demain soir, enquête normalement de Ghostness. Normalement, c'est bon. Vivement. Couper la télé. Let's go. Montre-moi les beaux gâteaux. Tiens, les beaux gâteaux. Muffins, merci. Ouais. Avec les petits cœurs de myrtille extra. Ouais. Voilà, voilà. Donc on va vous laisser. Nous allons finir de ranger tout ça. Et après on partira chercher les enfants. Parce qu'on est sur la réunion.
C'était à 15h30 normalement, et finalement c'est à 18h21. 21, ouais. Oui, c'est marqué sur Pronote. Sur Pronote, c'est marqué 18h21. Ça rigole pas. Ah non. Bon, bah, allez, bon après-midi. Rendez-vous demain pour la recette du pain blanc. Oh, ça, j'ai envie de le voir. J'ai hâte. C'est une première pour moi. Mais ma mère, elle a dit, ah, ça, je veux voir. Ce sera une première pour moi, alors j'espère que ça va aller. C'est un pâté, quoi, un pain de viande. Oui. Allez, bon après-midi, à bientôt. Ça y est, le live est terminé, les amis. Pour les petits muffins. Waouh. Avec le cœur du myrtille. Cœur de myrtille. Ils sont beaux, hein? Ouais. Contente? Très contente. Allez, prends-en ton café. On n'a jamais essayé par plastique. Chloé les bourgeons, on commence à avoir des petites fraises qui arrivent là. Ça a repoussé l'année dernière, on a l'estragon, il a... Non, bah non, on le mettra en avant, regarde. On va faire les glaces. Ouais. L'estragon, la ciboulette a repoussé, il y a le persil qui reprend un peu. Donc c'est bien. Et on a quand même pas mal de place dans les bacs là, faudra le semer. Après les 5 glaces. Je sais pas si c'est motoculteur. On va enlever ces putains de cartons. Ah oui, de toute façon, ça va passer dans le motoculteur de toute façon. Ça va passer dedans. Ah oui, ça va être mélangé avec la terre. Ah oui, avec la terre, ça va être mélangé. Ils sont à moitié pourris. Ah oui, nickel. Torchon, éplucheur. Parce qu'il faut qu'il soit, ça fait de l'engrais, il faut qu'il soit dedans. Et du coup, quand il fera beau, on fera l'extérieur, genre plante et tout, quand il fera beau. Mais du coup, je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Parce qu'on est mal barré, hein. Ouais, l'année prochaine. Bon, les enfants sont rentrés, les devoirs et tout. Vous avez pas goûté les muffins alors? Vous avez pris le gâteau? Bah oui, il faut pas. Vous aurez les muffins demain pour la garderie. Et du coup, on a rendez-vous à 18h21. Et toi, demain matin, tu vas aider ton père à nettoyer son camping-car. Désinfecté, machin et tout. Merci. Et puis un truc pour les éplucheurs. Oui, parce qu'il a dit, oh, je sais pas par où commencer. J'ai dit, mais je viens avec. Mais bah oui, tu lui avais déjà dit, il avait dit, oh, oui, il veut pas te déranger. J'ai dit, quand il t'a appelé en live tout à l'heure, tu travailles, oui, mais c'est pas grave. Non, mais sinon, je rappelle. Et puis là, il m'a dit, tu travailles encore? J'ai dit, non, c'est bon, il a dit, on fait un gâteau encore? Ben, j'ai dit, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces gâteaux que tu prépares? Oui, c'est ça que j'ai entendu en live, t'as dit, bah, les enfants les mangent. Non, c'est pas vrai. Non, pas ça. Un truc pour les épouser. C'est pas en live? Ah oui. Salut. Salut. J'ai pas trop compris ce que vous m'avez raconté. Il y a ta réunion parents prof à 18h21. C'est pas à 15h30 de base? Non, ils m'ont mis à 18h21. Bah justement, j'ai pas compris sur le coup. Mais... Moi, en fait, on devait cocher 15h30, 16, 16h30, 17, 17h30. J'ai coché 15h30, ils m'ont mis 18h21. Qu'est-ce que t'as pas compris alors? Du bon, en fait, coup, dans le message. Non, c'est parce 30, que papa il avait. Parce que la réunion est à 18h20. Parce que papa il avait coché 15h30, du coup quand on m'a dit oui, mais... j'ai pas compris. Bah parce qu'il m'aide jamais. Non, non. Il et demande, du coup, mais tu sais pas pourquoi. Du coup, t'as le son sur microbeat là. Oui. En techno. Oui. T'as vu la note? Oui. Mais je voulais pas donner parce que j'ai pas envie que. Bah je te donne ça pour les patates. Je voulais attendre celle-là que tu la vois. Et ça? Oui, mais du coup, t'as révisé cette fois-ci? Bah oui. Donc t'as eu un 17? Oui. T'as révisé sérieusement? Oui. Tu vois, maman, j'avais même demandé de le faire une deuxième fois là. Oui, mais parce que tu connaissais ta leçon, mais du coup c'est bon. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est pareil avec les autres leçons. Il n'y en a plus d'autres parce que mamie, ils ont. Papa, j'ai réussi mon ça, c'est pour les pommes de terre. Ah bon? Oui.
J'ai en fait, si tu veux, on y avait plein de professeurs déjà, il y avait plein de professeurs de mon collège. Et genre, j'étais devant le micro comme ça, on essayait de pas mettre les mains dans les poches, des barres d'étoiles, je les mettais plus comme ça. Puis au final, j'ai réussi parce qu'une amie a chanté avec moi et du coup, ma voix elle a pas tremblé, j'étais contente. Bah voilà. C'est quand ton spectacle? C'est en mois de mai, de toute façon. Le 6 juin. Ah, 6 juin. Et ils vont donner les billets dans 15 jours, il y en aura deux, si vous en voulez un troisième, faudra le dire. Ouais, bah oui, je pense que ta mère reviendra, hein, comme d'hab. Et ton vernis a été bon? Oui, très bon. Et ton Orangina? Mon Orangina, j'ai dû le cacher dans mon sac pour pouvoir boire. Du coup, les gens ont cru que je buvais mon sac. Oui, oh, c'est pas grave. Ok, bah tu fais tes devoirs. Il y avait un garçon par contre qui chantait, il ressemble à Léo, mais il chantait pas. C'était pas ouf. Ah. Ah, c'est ensuite. Bon les amis, on vient de rentrer de la réunion par un prof, c'est tout bon. Et quoi de 19h, hein. 18h50, bon, ça va, on est passé quasi à l'heure. Franchement c'était cool, on a vu Alain là-bas aussi, il était là pour ses gosses. Et du coup, c'est fait. Bah, globalement c'est ce que de toute façon on savait déjà et qu'on avait déjà dit, c'est que premier trimestre encouragement, deuxième trimestre un relâchement. Faut qu'elle arrête de dessiner en classe, qu'elle se concentre sur ses cours. Et ça c'est pas nouveau. Putain, mes lunettes sont dans un état, j'ai fait purée maison chipot ce soir. Ah bah avec l'huile des chipots, je te dis pas, ça fait un sacré bazar. Je les nettoie. Bref, ouais, Du coup, Laura est en train de ranger la cuisine. Et puis moi, je vais aller bosser parce que je dois monter mon vlog avant de faire mon live tout à l'heure. Hop. Faut aussi que je charge les fichiers de la vidéo de Laura tout à l'heure aussi. Et puis c'est bon pour l'enquête de Ghost and Us, c'est demain soir. On se donne rendez-vous à 19h15 à Saint-Dié avec Geoffrey, maintenant qu'il a la voiture. On mange un coup et après on part à l'enquête. On va voir ce que ça donne. Faut que je recharge du coup toutes mes batteries, faut pas que j'oublie. Batterie, carte mémoire, la totale, quoi. Voilà, tout le nécessaire pour faire cette enquête. Que je prépare mon sac aussi et tout. Voilà. Bon les amis, je vais monter le vlog jusqu'à maintenant. Et en fait, je ne vous ai pas clôturé avant, je vais vous clôturer maintenant. Oui, je fume et ferme-la, c'est pas chez toi. Qu'est-ce que ça prend? J'ouvre même la fenêtre dans la chambre. Donc, ouais, réunion parents, prof de fête, ça y est. Je viens d'avoir Alain, on l'a croisé du coup au collège là. Je viens d'avoir sur Snap Alain. En fait, il n'a pas de réseau, donc on ne communique que sur Snap. Il n'y a même pas WhatsApp. Il disait putain, ça nous rajeunit pas, non, ça nous rajeunit pas. Moi je me souviens de mes réunions parents-prof à l'époque, partir du collège et tout. Le problème en fait, c'est que jusqu'à la fin de mes études, de mes courtes études, j'ai toujours eu les mêmes appréciations. C'est vrai que j'étais pas un gamin irrespectueux, j'étais pas un gamin qui foutait le bordel ou quoi que ce soit. Bon, je bavardais beaucoup, tu vois. Mais c'était pas une catastrophe non plus là-dessus. Et j'ai toujours eu sur mes bulletins, Adrien peut mieux faire. Il en a largement les capacités, mais il n'a juste pas envie. Ça ne m'intéressait pas. C'est ouf. Et comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce qui ne m'intéressait pas avant m'intéresse aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je me tape des vidéos YouTube de maths, de physique, de chimie, d'électronique et tout ça. Des trucs qui ne me passionnaient pas à l'époque. Qui aujourd'hui, là, tu me remettrais sur un banc d'école, putain, je serais trop content. Déjà, je serais trop content parce que je retournerais dans l'enfance. Il n'y aurait plus la vie d'adulte compliquée, difficile, stressante. Tout ça, quoi. Mais ouais, moi, ça a toujours été comme ça. Au début, c'est ma mère qui venait aux réunions parents-prof. Puis après, c'est mon père qui a dit, moi, je ne veux plus y aller. Elle a envoyé mon père à sa place. Moi, je préfère avec mon... À quoi que je préfère avec mon père, je sais pas trop. Tu vois, mon père, il est pas très causant. Tu vois, autant avec ma mère, tu discutes. Mais avec mon père, tu sais, dans le couloir pendant 2 heures, comme ça, à attendre ton tour. Parce qu'à l'époque, tu voyais tous les profs. Là, tu vois, je trouve, c'est dommage. Tu vois que le prof principal, tu vois pas les autres profs. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait plus comme à l'époque où voilà, c'était c'était long. Mais au moins, tu voyais tous les profs. Et puis mon père, il parlait pas trop, tu vois, il causait pas trop. Même pas du tout, même. J'ai jamais eu de grandes conversations avec mon père. Si, ça m'arrivait d'avoir des conversations, mais ça m'arrive. Mais jamais de grandes conversations ou de grands débats, etc. Tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais, t'as vu, ça m'a taché le pull carrément, les projections d'huile des chipolatas, bordel de merde. Mais du coup, ouais, moi, ça a toujours été ça. C'est Adrien, les capacités, largement, mais il ne veut pas se mettre au travail. Il y a quelques fois où je me suis mis au travail, c'est en seconde, par exemple, quand j'ai voulu rentrer en première S. Parce que, je sais pas, j'ai... Le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai redoublé la quatrième parce que je me sentais pas du tout en phase avec les gens de mon âge. Donc j'ai demandé à redoubler ma quatrième, malgré que je pouvais passer en troisième, justement pour être avec des gens d'un an de moins que moi.
Et je m'entendais tellement mieux avec les gens plus jeunes que moi, que du coup, bah, ça m'a fait beaucoup de bien de redoubler ma quatrième, tu vois. Donc, c'est pas plus mal. Mais après, bah, je me suis fait, j'avais toujours les mêmes amis, mais eux, ils avaient un an de plus scolairement. Donc du coup, bah, quand ils sont partis au lycée, j'étais encore au collège, donc je me suis fait d'autres amis de ma classe et tout. Et après, quand je suis parti en seconde, j'ai commencé en SES. Donc j'avais fait option SES en seconde. J'ai fait une fois. Et après, bah, j'avais mes potes qui, eux, avaient un an scolaire de plus, qui étaient en première S, donc en scientifique. Les potes de ma classe, ils voulaient aller en scientifique. Et en gros, je me suis dit, faut que j'aille en scientifique. Je voulais faire informatique. Enfin, je sais pas trop ce que je voulais. Un coup, j'ai prof d'histoire, un coup informatique. J'avais peur, en fait, de travailler dans l'informatique et d'être dégoûté de l'ordinateur, tu vois. C'était un truc qui me faisait flipper parce que je passais mon temps sur l'ordinateur à faire plein de choses, à bricoler, à bidouiller, à coder un petit peu par-ci, par-là. Je suis absolument pas un programmeur ou quoi que ce soit, mais je m'amusais à toucher à tout. J'avais peur qu'en travaillant dans l'informatique, en fait, je me retrouve à être dégoûté de l'informatique. Sauf que je me suis rendu à l'évidence en seconde, c'est que je me suis dit, bon, je suis à l'aise avec l'informatique, ça serait peut-être bien de me lancer dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que très rapidement, en début seconde, je me suis dit, vas-y, faut que je me réoriente. Donc du coup, j'ai pris une autre option que SES. Et après, après le premier trimestre, mon prof de maths, j'étais le seul de la classe à vouloir aller en scientifique parce que mes autres potes du collège étaient dans une autre classe. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, il faut que je me bouge. Et le prof de maths m'avait dit, monsieur Sinski, si vous voulez passer en première S, il va falloir que vous cravachiez quand même pas mal, hein, parce que je ne travaille pas. J'entends par là, les devoirs, je les faisais pas, ou quasiment pas. En cours, j'écoutais. À partir de fin collège, lycée, au niveau bavardage et tout, il n'y avait quasiment plus rien. Mais en gros, je passais mon cours à écouter, à noter et tout ça. Et puis mon travail à la maison, je le faisais pas, donc forcément, j'approfondissais pas les leçons. Donc ce qui fait que bah, je prenais du retard et tout ça dans l'apprentissage. Et là en seconde, à partir du deuxième trimestre, je me suis bougé le cul et je suis monté à 16 de moyenne en maths. Alors que j'étais toujours dans les 10, 12, 13, je m'en foutais quoi, ça me passionnait pas, enfin voilà. Je me suis dit bon, allez, faut bien que je me bouge pour passer en première S parce que du coup là c'est la sélection, tu vois, autant de la 6ème à la seconde. Bah en fait, à part si tu pars en apprentissage après le collège, sachant que je sais rien foutre de mes 10 doigts, manuellement, je suis pas doué pour l'apprentissage. Un truc manuel genre CAP, BEP ou autre. Là, je me suis dit bon allez faut que je me bouge le cul, donc je me suis sorti du cul, j'ai terminé avec un 16 en maths, je devais avoir 14 ou 15 en physique chimie, donc ils m'ont fait passer en première S. Et en fait après je me suis rendu compte que bah non, première S j'aimais pas. Le seul truc que j'aimais bien c'est les cours, et encore, si les cours d'histoire, la philosophie j'adorais ça. Moi je pense que j'aurais dû m'orienter vers du STI, donc sciences techniques industrielles, comme certains amis de l'époque ont fait. Donc pour aller vraiment dans l'informatique industrielle, je pense que là j'aurais été plus à l'aise, surtout quand je regardais leurs cours, bah, je me rendais compte que c'était là. Moi qui suivais des cours de première année, je me rendais compte que bah, c'était largement à ma portée de faire des cours de STI. Mais je me suis vraiment démotivé complètement. Ça me saoulait, les cours me saoulaient, les maths surtout ça me saoulait. J'aime bien certains aspects des maths, les probabilités, les trucs comme ça, j'aime bien tout ce qui touche aux chiffres. Mais la géométrie, les théorèmes, les machins, ça me cassait les couilles, ça me faisait franchement chier. Après, j'ai eu une calculatrice scientifique à partir de la première que ma mère avait achetée sur eBay d'occasion. Et dedans, j'avais tous les cours qui étaient déjà enregistrés. Le mec qui l'a vendu, il a laissé tous ses cours. Et il a surtout laissé, très important, le jeu Bomberman. Sur calculatrice TI-89, j'avais le jeu Bomberman. C'est un mec qui place des bombes et tu dois éviter l'explosion de tes bombes en prenant des bonus, machin et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai passé toute ma terminale S à jouer à Bomberman. Voilà, j'ai passé toute ma terminale à jouer à Bomberman. Je suis arrivé au bac, au talent, j'ai rien révisé, j'ai rien appris, rien révisé, que dalle. Et comme j'ai déjà dit, j'avais... Bah alors l'anglais, du coup, j'ai commencé à vraiment me passionner pour l'anglais à partir de la 4ème, 3ème. Avant 6ème, 5ème, ça me saoulait, je comprenais pas pourquoi j'apprends de l'anglais, c'est de la merde. Comme l'italien, j'ai fait de l'italien de 4ème, la 4ème jusqu'à la terminale. Je connais les bases de l'italien, je sais faire dire les chiffres, je sais faire des phrases, des trucs, mais franchement, ça ne m'intéresse pas. Mais l'anglais, j'ai commencé à m'y passionner parce qu'en fait, bah, tous les logiciels que j'utilisais étaient en anglais. L'informatique, c'est principalement de l'anglais. Et en plus, j'ai commencé à regarder des séries. On a eu la DSL, j'ai eu mon PC portable, donc j'ai commencé à regarder des séries bah, comme Lost en anglais, en VO, VOST et tout ça. Donc, j'ai commencé à apprécier l'anglais de ouf. Donc je crois qu'au bac, ouais, en anglais, j'ai eu 16 en anglais. En français, j'avais eu 12 à l'écrit et 14 à l'oral, je crois. Non, l'inverse, 14 à l'écrit, 12 à l'oral. En philo au bac, j'ai eu 12. Pour un scientifique, ça va encore. En histoire, j'ai eu 13 ou 14. J'adorais l'histoire de toute façon.
Il y avait quoi d'autre comme matière? Français, anglais, italien, j'ai eu 3 ou 4. J'ai rien foutu en italien. J'ai rendu limite copie blanche au bac. Et génie électrique, j'ai eu 8 sur 20. 10 sur 20. Génie mécanique, j'ai eu 8 sur 20. Aujourd'hui, ça me passionne. À l'époque, ça me passionnait pas. Je regardais carrément Lost pendant mes cours de génie électronique. On avait 8 heures de cours par semaine, parce que j'avais pris l'option sciences ingénieurs pour aller en école d'ingé ou informatique et tout. Donc ouais, j'avais ça. Et puis en maths, j'ai eu 4 en maths et 6 en physique chimie au bac. Je vous dis, j'ai rien révisé, rien appris, je m'en battais les steaks, il me complet. Et il n'y a plus d'autres matières, non, c'est tout. C'est déjà bien au niveau des matières. Hein. En sport, je me bougeais pas le cul non plus, ça m'intéressait. Je faisais de la muscu, donc franchement, courir autour d'un terrain, ça m'intéressait pas du tout. Surtout que mes problèmes respiratoires, mais je crois que j'avais 12, 13, un truc comme ça. Pas grand chose. Mais voilà, c'était suffisant. Du coup, bah, j'étais au rattrapage. Et au rattrapage, bah, j'ai pas appris non plus. J'ai pas appris mes leçons, j'ai rien révisé. Et je crois que je suis passé de 4 en maths à 7. Et je suis passé de 6 en physique chimie à 8. Et du coup, bah, ça faisait que j'avais 9,75 ou 9,8 sur 20 au bac. Du coup, je suis passé en commission. Mais vu qu'ils ont vu que j'avais rien foutu pendant deux ans, ils m'ont pas accordé le bac. En gros, ils auraient pu dire, c'est bon, généralement, en fait, quand il manquait 8 points. Je crois que le bac, c'était sur 720 points. C'est un truc comme ça, hein, de souvenir, je me trompe peut-être, mais en gros, c'est sur entre 400 et 700 points, je sais plus. Et il manquait 8 points sur ce total. Non, j'ai eu 9,8 au bac. Oui, c'est ça, 9,8. Et en gros, il manquait 8 points sur les 700 quelque chose, là, pour passer à 10 de moyenne et avoir le bac. Et ils ont dit, ouais, non, le mec, il a rien foutu pendant 2 ans, laisse tomber, Zebi. Et après, du coup, j'ai refait une nouvelle terminale SSVT. Du coup, je devais rattraper 1 an de sciences et vie de la Terre. Ouais, 1 an, près de Genève. Et là, j'ai absolument rien foutu. J'ai monté ma boîte en parallèle et puis je faisais plus que de bosser plutôt que de bosser sur mes cours. Mais voilà, c'est pour dire que... on disait avec Alain, c'est déroutant parce que nous on se retrouve en tant que parents dans la situation où on a mis nos parents à nous. Et là j'ai dit à Libby quand je suis rentré, bah forcément, hein, je lui ai fait des remontrances. Hein, je lui ai dit écoute Libby, faut que t'arrêtes de dessiner en classe, faut que t'arrêtes de dessiner sur tes mains, faut que t'arrêtes d'être dans ton monde et tout. Si tu suis les cours, je sais que c'est pas facile, mais si t'arrives à suivre les cours, t'as déjà la moitié du travail qui est fait, voire les 3/4. J'ai le problème, c'est que t'as beau faire tes devoirs à la maison, si t'as pas suivi correctement le cours, bah les devoirs ça suffira pas. Et je lui ai dit Libby, malheureusement pour toi, tu nous as sorti des encouragements au premier trimestre avec un presque 15 de moyenne. Je dis donc tu nous as prouvé que tu étais capable. Donc là t'as pas d'excuse, tu peux pas dire j'y arrive pas parce que tu y es arrivé au premier trimestre. Donc faut qu'elle se bouge, voilà. Là hier elle a bien révisé sa leçon, elle a bien écouté en classe et elle a eu 17 sur 20 en techno, tu vois. Donc c'est faisable, et en techno, en matière scientifique, hein. C'est ce que j'ai dit à sa prof principale, j'ai dit après je peux comprendre que les matières scientifiques c'est pas son truc. J'ai dit c'est pour ça qu'il faut qu'elle cartonne dans les autres matières. Moi, qu'elle ramène un 8, elle avait 8 sur 20 en maths là au deuxième trimestre. Je peux passer l'éponge dessus parce que c'est pas son truc. Je comprends tellement. Maintenant, les matières où elle est forte, il faut qu'elle s'accroche le français, l'anglais, l'allemand, l'histoire, il n'y a aucune excuse, c'est du par cœur. Comme j'ai déjà dit à Libby, hein, j'ai dit en histoire que t'aimes ou t'aimes pas, il n'y a aucune excuse, c'est du par cœur. Donc t'es censé avoir la moyenne, ce qui est le cas. En français, elle a la 15, en anglais, elle a 17, et en allemand, elle a 17. Elle a la meilleure moyenne dans les langues. J'ai donc, accroche-toi dans les matières où tu y arrives. Ça serait dommage d'arriver au troisième trimestre et d'avoir baissé dans toutes les matières où on t'excellait avant. Ça serait du gâchis, quoi. Donc voilà, on essaie de la motiver, on essaie de les motiver, mais on en a 5 à la maison à motiver, hein, c'est pas simple, hein. Parce que Malone, il a eu son bulletin aussi, il a la meilleure moyenne du lycée, je crois. Il est en première S, bon, alors oui, c'est pas première S, mais il est équivalent, il est en première générale, mais il a pris option spécialité maths, spécialité SVT, spécialité physique chimie. Il a, je crois, la meilleure moyenne de tout le lycée en première. Il a eu les félicitations, et dans ses appréciations, il y a quand même des profs, avec un 17 ou un 18, il a même 22 moyennes en physique chimie, où ils lui disent, il en a sous le pied, il en a encore sous le pied. Mec, il a 13 points de moyenne, il en a encore sous le pied. Le problème de Malone, c'est que c'est un flemmard. Il a énormément de facilité à comprendre les leçons. Il est très très intelligent, il a beaucoup de mémoire, surtout c'est la mémoire qui est récompensée à l'école. De toute façon, la mémoire à l'école, jusqu'à un certain stade, est beaucoup plus récompensée que les compétences intellectuelles. Il a une très grosse mémoire et du coup, il retient très facilement ses leçons. Mais c'est un flemmard. Malone, c'est clairement... Enfin, des fois, quand je vois les copies qu'il rend, je dis, mais tu n'as fait aucun effort, là.
Je t'ai même pas fait d'effort pour que ce soit présentable, que ça soit compréhensible. J'ai un jour, tu peux tomber sur un prof qui, même si le résultat est bon, il appréciera pas. Et là, il l'a vu, hein, de toute façon. Hein. Il est arrivé en seconde, on lui a dit, Malone, déjà le comportement, faut que tu fasses attention parce que c'est sur dossier ce que tu veux faire. Donc si c'est marqué que tu perturbes la classe parce que tu bavardes et tout ça, bah ça va pas aller. Donc ça, il s'est calmé, donc ça va mieux, le comportement. Et je lui ai dit, hein, je dis, il faut que tu t'appliques ton travail, quoi. C'est pas parce que t'as juste que tu peux juste gribouiller ça sur une feuille, quoi. Donc voilà, on est tout le temps, en tant que parents, derrière les enfants pour qu'ils réussissent. Et c'est très, très paradoxal parce qu'en fait, on se retrouve dans le rôle de nos propres parents où c'était il n'y a pas si longtemps que ça, honnêtement. Il y a 15 ans, c'est pas si long que ça. Hein. 15 ans, c'est pas... Ouais, je me suis fait une ampoule, là, j'essaie d'enlever ma peau, ça m'énerve. 15 ans, c'est pas si vieux que ça. Et il y a 15 ans, nos parents stressaient pour nous, se demandaient ce qu'on allait faire de notre vie, machin et tout. Et aujourd'hui, nous, on se retrouve dans cette même situation, donc je pense que nos propres parents doivent bien en rigoler, des fois, ils doivent se dire « Ah bah tu vois, tu galères, hein, nous aussi on a galéré, et machin et tout. » Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, voilà pour le petit discussion de fin de vlog, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça me fait plaisir de prendre la parole comme ça en vlog, faire des petites, les petits débats, les petites discussions en fin de vidéo, je sais que ça vous plaît, hein. Je m'occupe de vous depuis en 2024, là. 4... Ça fait 8 ans que je m'occupe de YouTube, de la communauté, machin. Ça fait 8 ans que je suis dans ce bise, mon gars. Donc tu sais, je commence à vous connaître un peu et je sais que vous aimez bien ces petites discussions au coin du feu. Enfin là, c'est pas au coin du feu, c'est au coin de mon doudou et de mon lit. Mais voilà, t'as compris le truc. Bref, je vais aller clôturer ce vlog. Enfin, je vais aller terminer de le monter, le rendre. J'ai déjà fait la miniature, comme ça c'est fait. Et on se retrouve du coup demain pour un nouveau vloggy et une enquête paranormale surtout. Allez, salut.